Matahi'i Hoturau Ta'aviri, œuvre inspirée des marquises Fenua Enata, avec les différents tressages représentant les liens entre les différentes îles. Tel un oiseau voyageur, elle a choisi de se poser sur Fatuhiva, l'île Tapa et au centre de Umuhei. Voici Komaokeekee, l'oiseau emblématique de Fatuhiva by Sheldy Hunter. Heinareitama porte une tenue réalisée par Vehiari Création. Cette tenue représente le houpé, oiseau au plumage noir et rouge, originaire de l'île de Wapau. Cette tenue est confectionnée exclusivement avec des graines noires kokou'u provenant de l'île de Wapau et de plumes noires et rouges sur une base en peori. Tua uoka, tua uamuka e amor.
matate ta henei I vai a kawati tua e Ravahere Siyu porte un magnifique bijou des marquises confectionné par le styliste Manuhari Teauroa. C'est une invitation au voyage entre la terre des hommes et l'Afrique pour mettre en lumière le savoir-faire marquisien ancestral. Matière, graines de pitipitio et turina. Le rouge et le noir célébrant la puissance, la détermination et l'humilité. Sa tenue a été créée par Crystal Vong. Cette robe entièrement faite à la main a été minutieusement confectionnée à partir de milliers de graines de pitipitio et de graines de cana emblématiques des marquises. La traîne de plumes noires vient souligner délicatement cette magnifique robe. Natura
Terre évanouie, tout, tout cette création met à l'honneur des soirées chevaux en marquisien et leurs cavaliers de l'île de Wahuka, appelée l'île des chevaux. Matériaux utilisés, os, dents de cochon gravés, de plumes, mais aussi de graines diverses comme les pitipitio, de kerehaari, de ni'au, de noix de coco et de moré. Une création de Vaite Emilia Campoli, La vie en mot. Costume confectionné par Tamatoa Teriotirei. Royal et céleste, la tenue est composée de toiles de jute, de kéré et de pitipitio. Avec ses motifs de la croix des marquises teintée au charbon, cette tenue représente l'équilibre. Avec les plumes, elle est prête à prendre son envol pour voir d'autres horizons. Kokotirao, ode à la majestueuse reine Veikehu. Matière utilisée, le poreho, les matamimi, les graines de pitipitio, de poepoe, graines d'acacia et de tonina. Il y a également des plumes noires et du niao teinté en rouge, blanc et jaune. Date 8, Taipo Temarama Cabral. Sa tenue a été réalisée par Heimana Tutavae, inspirée par son humilité et sa simplicité. Son design, dans l'air du temps, illustre la femme active qu'elle est. On retrouve principalement le ipu, ce motif marquisien, symbole de la femme. Le tapa blanc et les accessoires en graines et plumes de cet ensemble proviennent de Teioare. Et
tu kanu tenu ena mai kai e pene o tau tō mau i te he. Haka e tu tō tau hapoko e atui o tau i ho. Atu mai o toi te i te he. Uai tatou mi hea tatou i hea tatou e he e ai. Ei atkei tutonu ia te tama e nana. E himne nei. E te tau papatuka me tenu e nanai kai apene au tau tō mau i te he. Haka e atu tō tau hapoko he atu o tau i ho. Atku mai. Kia na ve. Kia na ve te tau tūpuna. Kia na ve. Come on, be, how can I be mine? Come on, be. Dina Misalmon, tenue confectionnée par Honoura Panish, composée de tarafetoué, de plumes, de fibres de pourreau, de kirihari, de peau et de crâne de chèvre. Ce costume est inspiré d'un souvenir d'enfance d'un voyage à Hivaoa. Ce costume donne vie à un personnage imaginaire des Marquises, surnommé Tepo Tonumi. Te amamos te va. Agua tato e caia puto tato e. Moi na te fico poe per mei pe e ne pe ne te tau na te tau tupu. Na kia ma ve. Kia ma ve te tau tupu. Na kia ma ve. Kia ma ve. Ha kia ma ve mai. Kia ma ve. Kia ma ve te tau tupu. Na kia ma ve. Kia ma ve. Porte un costume composé essentiellement de graines de poniou provenant de ouapou et de plumes. Les graines rouges, comme le sang qui coule dans nos veines, symbolisent la vie, la prospérité et la gentillesse et la fertilité. Les plumes noires, intimement liées au divin, exprimant le sacré et la rareté, tout comme le monarque de Fatuhiba. Créateur Maruya Olozi. Ita henua e nanata ue hanau nei nei nei.
Digne de la haute couture. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.